Bonjour à tous et bonjour à tous, ici Fofor du 85 et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Kingdom Hearts 3 où la dernière fois nous étions encore dans le monde de Toy Story pour retrouver les jouets d'Andy qui avaient été éparpillés dans le magasin à cause des 100 cœurs. On les avait tous retrouvés mais Rex avait décidé de se rendre dans la section des jeux vidéo pour prouver à Buzz que Sora n'était nul autre que Yozora du jeu Venom Rex. Sauf que le problème, c'est que Buzz a fini possédé par une marionnette invoquée par le jeune Xehanort, l'antagoniste de Dredger Distance, et du coup, celui-ci a disparu dans un couloir obscur. Heureusement, le sergent nous dit qu'apparemment, un couloir obscur a été repéré dans l'aire de jeu, ou comme il l'appelle en anglais, « Babies and Toddlers ». Et je tiens à vous dire un petit quelque chose avant qu'on commence la vidéo. C'était à ce passage où, quand j'ai joué la première fois, j'étais complètement perdu. Parce que moi, en fait, je pensais que le sergent parlait de l'endroit où on avait affronté l'ambre angélique dans le dernier épisode. Souvenez-vous, c'est la poupée glauque qui a fait peur à beaucoup de joueurs. Et ben, en fait, trop pas. En fait, tout simplement, en fait, l'aire de jeu, c'est là où on a affronté la soucoupe volante qui avait kidnappé les trois aliens. Vous savez, ceux qui disent « Les visiteurs, venus d'ailleurs !» Wow, wow. Oula, excusez-moi si vous avez entendu un truc avec mon micro et que Sora a bougé subitement, c'est que j'ai failli faire tomber ma manette en imitant les aliens. Donc du coup, en fait, si Buzz se trouve là-bas, il faut absolument le sauver parce qu'en fait, le jeune Xehanort, en fait, veut prendre les ténèbres, si je m'en rappelle, du cœur d'un des jouets de Toy Story pour compléter les leurs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne m'en rappelle plus très bien. Du coup, on va pouvoir enfin avancer. Sachant que nous n'avons plus Buzz avec nous, nous avons Woody. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser la turbo-fusée, leur giga-attaque pendant un petit moment. Et là, nous allons faire le truc que je suis triste. C'est que nous allons finir le monde de Toy Story. C'est le dernier épisode dans ce monde. Donc, par conséquent, allons-y. Mais avant, je veux quand même voir mes compétences. Voir si je peux mettre des trucs. Oui, je peux. En taille rapide, inflige 3 coups consécutifs. Ouais, pas mal. Alors ça, c'est l'attaque avec Donald. Super saut, c'est que notre saut nous permet... C'est que notre saut, désormais, nous permet de sauter un peu plus haut. 0 XP, non, c'est si je voulais être en mode badass, c'est-à-dire que je gagne plus de niveau. Conservation de MP, non merci. Alors ça, c'est encore une action qui ajoute un... Alors ça, c'est encore une action qui s'ajoute à nos combos. Coup de grâce automatique, ça, je l'avais pas activé, parce que sinon, en fait, tout simplement, je pouvais l'appuyer moi-même sur triangle au lieu d'attendre que le chrono s'arrête. Attraction améliorée, ça si je m'en rappelle, je crois que ça permet d'avoir les attractions un peu plus facilement que ce qu'on a maintenant. Bon déjà, première chose qu'il me faut, c'est déjà le super saut, parce que comme ça Sora peut sauter un peu plus haut. Un petit combo, tiens, ça peut nous être utile, et je crois que je ne peux pas mettre d'autres choses à part un truc qui fait 2. Et est-ce que j'en ai un truc qui fait 2 ou 1? Nope. Donc par conséquent, on va laisser ça comme ça. Donald. Ah, Donald, lui, il peut avoir plusieurs compétences. Oh, je suis méchant. Alors, booster de feu. Améliore les dégâts des attaques de feu de 20%. Oui. Alors ça, c'est ce qui permet de recharger ses MP. Donc on va lui mettre, puisqu'il en a besoin, notre ami Donald. Prolonge la durée de disponibilité. Ah, ça, je suis pas contre. Bon, par contre, il n'a pas de booster de feu. Tant pis pour lui. Dingo. Bon, Dingo, lui, il en a pas assez. Et Woody, ça sert à rien que je le regarde, parce que Woody, on va plus se servir de lui après cet épisode. Les équipements que je peux mettre. Je peux mettre un second équipement à Sora. Amulette étoilée. Ça augmente légèrement les pistes max. Augmente légèrement l'attaque. Tiens, je vais me mettre ça, sachant que j'ai gagné encore 2 points de compétence, donc je peux équiper des trucs à Sora. Et on va lui équiper... Tiens, les attractions améliorées. Ah, je peux encore mettre autre chose. Tiens, l'entaille rapide et le brasier synchrone. Brasier synchrone, en fait, c'est que si je suis à côté de Donald, en fait, Donald va balancer une attaque de brasier, en fait, qui va faire pas mal de dégâts aux ennemis. Donc, par conséquent, ça peut nous être utile. Bon, assez de blabla, allons sauver Buzz. Ah oh, mais il y a des 100 cœurs là-haut. Bon, ben je vais... Oh, ben, si vous décidez de descendre, ça va pas marcher. On va faire un peu d'expérience. On a un peu besoin. Bon, vu que j'avais coupé une dernière épisode sur ce passage-là, c'est un peu logique qu'il y ait des 100 cœurs du coup. Parce qu'il n'y avait pas de 100 cœurs normalement dans la version originale.
C'est-à-dire si on continue d'avancer dès ce passage-là. Ah, ça c'est le pouvoir de l'attraction améliorée. J'ai obtenu la tasse, les tasses folles directement. Donc tout va bien. J'ai genre toujours entendu Woody qui fait yiha. Ah, il doit avoir un sans cœur. Non, il n'y a plus de sans cœur. Donc j'espère que les tasses vont rester un tout petit peu plus longtemps. On quitte la section du jeu vidéo. Et je vais essayer, est-ce que ça marchera? Attention de ne pas tomber, Sora. Mets-toi là, mets-toi là. Voilà. Est-ce que je peux atteindre... Oui, j'utilise la compétence de Flow Motion pour aller directement ici. Parce que, en fait, l'endroit où on doit se rendre pour sauver Buzz se trouve par là. Et on peut voir en effet qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Parce que le sergent avait mentionné une fenêtre, en fait. Donc... allons-y, sachant que Woody va nous dire « Sora, regarde, c'est l'endroit que le sergent parlait. » Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, par conséquent, on va y aller. Alors non, les gigas, je ne les affronte pas parce qu'il me faut un obligas pour les niquer et il n'y en a pas ici. Donc là, par conséquent, on va l'ignorer. Je vais quand même frapper ce truc pour obtenir des ingrédients nécessaires pour... pour notre cher ami Rémi. Putain, Woody qui est en train de mourir là. Cassons-nous. Parce que sinon, si Woody meurt, ça va pas marcher. Donc là, on va obtenir le gigas qui va nous permettre de bouger ses blocs. Can you use the gigas to move them? Yeah, maybe. I'll try. Parce que les gigas ne servent pas non seulement que pour le combat, ils peuvent servir également pour faire quelques petites énigmes. Donc là on va se servir du gigas en fait pour déplacer ces blocs, pour créer quelque chose en fait qui nous permettra d'accéder aux couleurs obscures. Parce qu'en fait le couleur obscur se trouve en fait dans cette salle. Donc par conséquent, je vais quand même vous montrer où se trouve le couleur obscur. Parce que de toute façon il y a des blocs ici et il y a même des blocs là-bas. Donc on va en profiter. En fait le couleur obscur, on le voit pas ici mais Donald va nous l'indiquer. Regardez. Voilà, on voit bien le couloir obscur qui se trouve ici. Well, there are some more blocks here. Mais avant d'accéder à ces blocs, il faut niquer ces gigas. Et ces gigas, vous êtes obligé de les éliminer. Si vous ne les éliminez pas, vous ne pouvez pas accéder aux blocs. C'est un peu comme le truc de l'hélium que je vous ai montré dans l'épisode 6. On peut utiliser l'hélium que quand il n'y a plus d'ennemis. Ben, les blocs, c'est pareil. Donc là, ces petits combats contre ces gigas, il s'est barré en manche, il lui fout beaucoup de poing dans la gueule. Et évidemment, la majorité des combats contre ces ennemis, ce sont des putains de gigas. Donc, faisons très attention. What? Déjà? Putain, il m'a déjà endommagé mon gigas, ces tirs de putain. J'espère que j'ai tué le gigas que... j'avais blessé, non? Bon, vu qu'il avait presque plus d'énergie, j'en profite. Aïe, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, monte. Voilà, il a éjecté le sang-cœur qui se trouvait à l'intérieur. On va le prendre et je vais tout vous défoncer, bande de pute. Bim! Là, ce giga, c'est génial parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts quand même avec ses bombes à placement. D'ailleurs, profitez bien de ce moment parce que après cet ennemi, on ne comprendra plus de giga. Oh putain, il a volé. C'est un dégât. Un giga en moins. Enfin, un giga, un giga. Donc là, faisons attention parce qu'il y en a pas mal. Toi, dégage. Donc évidemment, pendant que nous, on contrôle le giga, les autres alliés se battent contre les gigas de façon normale, c'est-à-dire en les affrontant normalement. Nous, on est des loges. Attention que je rentre pas là-dedans parce qu'il y a des ennemis et pour l'instant je ne vais pas les affronter avec les gigas. Je crois que c'est le dernier et après je peux bouger le bloc. Toi dégage, bam. Ah non, il est encore vivant toi. Oh putain, il m'a tiré dessus, c'est magnifique. T'es où? Tu es là. Bim. Tiens, je vais essayer de t'achever à coup de poing. Bim. Oh ben en plus le pauvre était coincé dans un mur. Ben, ça t'apprendra à vouloir m'attaquer, connard. Donc par conséquent on a vaincu tous les gigas d'ici, donc on va pouvoir utiliser la commande réaction pour assembler les blocs. Parce que oui, nos gigas non seulement sont des machines extrêmement puissantes, mais en plus, ils peuvent déplacer les blocs par télékinésie.
Alors il faut savoir qu'il faut bouger 4 bouts de bloc en fait pour débloquer la séquence suivante en fait. Enfin le passage suivant. Parce que vous voyez là on a fait une barre de Tetris mais ça ne suffit pas. Et oui, tu as bien raison Dingo, il en faut plus. Alors déjà, on en a un deuxième ici. Alors je suis obligé de sauter pour passer là alors que tu peux traverser les escaliers normalement. Why not? Putain, ça me fait toujours marrer de voir les personnages comment ils sont minuscules à côté de moi, quoi. Salut les gars! Ah, dommage que je peux pas vous prendre en photo depuis mon gigas, quoi. C'est dommage. Donc là, on va bouger ces blocs-là qui bloquaient l'entrée. Donc par conséquent, en fait, si on revenait dans ce monde, en fait, on peut accéder à cette maison grâce à cette porte, désormais. Alors donc, du coup, on peut voir que ça continue à former des blocs. Maintenant, les blocs... Ah non! Ces blocs-là, en fait, ne servaient pas pour l'énigme, ils servaient uniquement que pour déverrouiller la porte. Ok, why not? Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, nous allons aller par ici, sachant que le plus proche, je crois, c'est plutôt par là. What about over there? Comment ça parle, Woody? Quoique, je vais peut-être plus aller par ici. Alors, en fait... Je ne les vois pas par ici. Mais en fait, il y a des blocs qui coincent ici. En fait, il y a des blocs qui se trouvent dans ce toboggan, en fait. Et pour l'instant, on ne peut pas y aller. Donc, par conséquent, on va aller par ici. Bon, par contre, faisons attention parce que je sais qu'il va y avoir des sans-coeurs. On a un gigas ici au cas où celui-là serait foutu. Tac, je monte. Je sais que je dois aller tout en haut pour activer le prochain combat. Voilà, parce que encore une fois, il faut mitrailler les sans-coeurs. Sachant que là, le combat est un tout petit peu plus dur parce que vous voyez que l'endroit est assez petit quand même. Je vais profiter de mon petit gigas pour me casser la gueule. Par contre, eux, utilisez bien votre tir pour les toucher parce que les attaquer au corps à corps, ça ne marche pas. Et je me rendais compte que j'étais en train de leur tirer sur les pieds. Bon, toi, je vais être obligé de te destroy parce que malheureusement, une marionnette ça a pris contre de toi. Putain, saloperie! Tiens, c'était pour déconner. Toi aussi, c'est pour déconner. Je te détruis un coup de poing. Merde, je croyais que je t'avais buté. Fais attention parce que ces petits canons ne font pas beaucoup de dégâts, mais ils font chier quand même. Donc, voyons voir où est-ce que j'en ai buté. Ah, il était là. Tu es là, toi aussi, juste à côté d'un coffre. Pour ne pas l'oublier. Tac, non. Il n'y en a pas par là. Par contre, je vois les trucs de son cœur, donc ils sont tous en bas. Putain, je suis entré dans... Ah, putain, j'ai eu peur. Je croyais que mon giga s'était coincé. Je me dirais, fuck, bah, ça c'est malin. Donc là, ils sont tous en bas, donc par conséquent, allons-y. Qu'est-ce que j'ai cru voir? Putain, mais regardez-moi ça. Les marionnettes, maintenant, possèdent des sortes de mini-robots, quoi. Putain, vous êtes vraiment des chieurs, quoi, les marionnettes. Heureusement qu'on les voit que dans ce monde. Parce que... Franchement, ça me fait mal de destroy des jouets qui n'ont rien demandé, quoi. Bon, vous, j'ai le droit de vous détruire parce que vous n'êtes pas des jouets. Blam! Où est-ce qu'il y a encore des sans-coeurs? Parce que tant que la bataille contre les sans-coeurs ne se termine pas, en fait... comment t'as réussi à entrer là-dedans? Ah, tu es là! Parce qu'en fait, tant que les sans-coeurs ne sont pas éliminés, on peut pas... enlever les blocs. Bon, je vais m'éjecter parce qu'il y a un coffre qui se trouve ici. Bon, je vous rassure, quand je quitte ce machin, il est pas foutu, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une potion. Why not? Donc, je reprends mon gigas parce que j'en ai besoin. Alors, je me rappelle qu'il y a un endroit, il y avait également un autre coffre, donc on va en profiter pour le récupérer. Ah, mais on avait un deuxième si jamais mon gigas était endommagé. Enfin, ça, c'est bien, ça. Oh franchement cette musique elle est géniale quoi. Meilleure musique de Kingdom Hearts 3. Bon, j'exagère, il y a d'autres musiques qui sont bien meilleures que la reprise de Je suis ton ami de Toy Story, mais franchement ça me fait toujours plaisir d'entendre cette musique quoi. Non parce que je sais pas si vous avez connu d'autres musiques en fait qui vous donnent toujours de la nostalgie même après les milliards de fois que vous l'écoutez. Bah, je suis ton ami, c'est toujours comme ça, surtout la version chantée, quoi. Sachant que j'ai entendu, je crois, dans Toy Story 4, ils ont refait un remix, mais avec le même chanteur. Donc,
Si je vois Toy Story 4, je verrai la version sur Amix. Interdiction, encore une fois, de nous spoiler Toy Story 4, soit disant pas ça. Donc là, par conséquent, vu qu'on a vaincu tous les 100 cœurs, on peut déplacer ces blocs. Et il nous en manquera plus qu'un, et on pourra sauver notre ami Buzz, qui doit avoir beaucoup de problèmes avec le jeune Xehan Orthocorp. Vous voyez, pour l'instant, là, ça ne suffit toujours pas. Et faut savoir que quand on aura assemblé la structure avec les blocs, on verra la seule référence à un personnage de Final Fantasy de tout le jeu. Parce que, comme je l'avais dit, je crois, dans le monde d'Hercule, l'une des critiques que beaucoup de gens ont fait de Kingdom Hearts 3, c'est qu'il n'y avait aucun personnage de Final Fantasy jusqu'au DLC, le Remind, en fait. Et ben dans quelques minutes, vous allez voir la seule référence à personnage de Final Fantasy dès qu'on aura fini de construire les blocs. Alors si vous connaissez Kingdom Hearts 3, vous savez qui c'est, mais pour les autres, je vous laisse la surprise. Donc en fait, le prochain truc de blocs se trouve dans cette zone-là. Mais sauf que pour accéder à ces zones-là, normalement, il faudrait prendre ce gigas-là qui se trouve là-bas. Mais vu qu'on en a déjà un, on peut y aller. Parce qu'en fait, ces dominos, ce nous bloque le passage en fait, on peut pas y aller normalement, mais si on a un gigas en fait, on peut défoncer ces murs de dés pour accéder à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire, tac, tac. On va continuer de détruire à grands coups de poing. Bah oui, je suis un putain de wesh wesh qui casse tout. Ah, il y a un coffre, je vais peut-être en profiter pour l'obtenir, et qui contient un anneau casseur. Alors qu'est-ce que c'est? Augmente légèrement l'attaque et très légèrement les PC max. Je vais peut-être le donner Dingo, tiens, parce que vu qu'il n'a pas d'accessoire, comme ça, ça augmente un peu son attaque. Il a gagné un peu de trucs au niveau de ses compétences. Alors, chance. Augmente la fréquence à laquelle les ennemis abandonnent des objets. Cumuler cette compétence pour en décupler les effets. Alors, en fait, du coup, en fait, si j'équipe ça à Dingo, en fait, on va avoir plus de chances d'avoir des objets quand on tue des ennemis. Et ça, coopération prolongée. Bon, mais je vais faire ça parce que la coopération de lancement de bouclier de Dingo, ça peut toujours servir. Donc là, je vais revenir sur ce giga pour reprendre la suite. Sachant que quand on va détruire ce mur-là, on va réaffronter des 100 cœurs. Dernier combat de 100 cœurs de ce monde. Bam! Donc là, on continue pour que je puisse traverser tranquillement. Et là, on voit qu'on en a quand même pas mal. Donc là, on va utiliser la bombe à plasma pour tout détruire, parce que là, on va tout détruire pour non seulement tuer les 100 cœurs, mais aussi pour détruire les dés, parce que sinon, en fait, les ennemis se cachent derrière. Sachant qu'on fait très attention, évidemment, à ces colins marionnettes avant qu'ils possèdent d'autres roues et qu'ils ne seraient pleurés. Ah, voilà, justement, putain, ils ont possédé ce pauvre éléphant qui n'a rien demandé à personne. Ils ont même contrôlé une vache. Putain, mais... Je sais que beaucoup adorent enculer les vaches, mais il faut pas exagérer là quand même. Bon, toi tu dois être le dernier qui reste. Ah. Ah, il y en a un qui se fait tirer dessus. Putain, vous êtes nains, là. Ils sont tous les trois perchés sur le plafond. Ah, apparemment l'un de mes alliés a réussi à tuer le dernier. Parfait. Donc là par conséquent, on va défoncer ce mur à grands coups de poing pour qu'on puisse accéder à ce réseau de blocs. Je pourrais utiliser les bombes à plasma, mais je trouve ça plus classe de frapper les dés avec nos points. Et après avoir déplacé ces blocs, on va voir la seule référence à un élément de Final Fantasy. Je me suis un peu trompé, c'est pas un personnage de Final Fantasy qu'on va voir, mais c'est un élément de Final Fantasy. Vous allez reconnaître l'élément dès que j'aurai assemblé ces petits blocs. Et il y aura même une petite musique qui va faire référence à Final Fantasy. Donc là, on va assembler ces derniers blocs pour qu'on puisse sauver notre ami Buzz l'éclair à la rescousse. Oui, avec les blocs, nous avons reconstitué un Pampa, qui est un petit personnage en fait qui apparaît dans la majorité des Final Fantasy,
Et pendant que le Pampa était fini de créer, on a entendu le fameux thème de victoire qu'on entend dans tout Final Fantasy. Le fameux... C'est les seules références à Final Fantasy que vous allez voir de tout le Let's Play. C'est pas une blague. Donc par conséquent, vu qu'on a assemblé tous les blocs, on n'a plus besoin du gigas, donc on va pouvoir le quitter. Cette fois, pour de bon. Allez, adieu mon ami, tu nous as beaucoup aidé. Mais maintenant, faut partir. Alors, le Pampa, en fait, se trouve tout là-haut, en fait. Donc, on va y aller par ici. Et on va pouvoir l'explorer. Vous allez voir que notre ami Sora est un putain Yamakasi, vous allez voir. Tac, 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 tac. Bah, de toute façon, il l'avait déjà montré dans le monde d'Hercule. Par ici, pour que je puisse monter tranquillement. Hop là. Et donc, du coup, comme on peut voir, il y a bien un couloir obscur qui se trouve ici. Et dans ce couloir obscur, on va affronter le boss de ce monde, qui sera le roi des jouets. Mais d'abord, il faut sauver notre ami Buzz qui se trouve derrière ce portail. Donc par conséquent, ce que je vais faire, par sécurité, on ne sait jamais, je vais faire une sauvegarde. On ne sait jamais. Alors oui, j'ai beaucoup de fichiers, soi-disant passant, mais c'est des fichiers que je me suis servi pour m'entraîner ou pour... reprendre un passage si j'étais bloqué. Sauf ça, ça en fait, c'est ma toute première partie en fait. Et ça, je n'y touche pas. Donc, par conséquent, je vais faire une toute petite sauvegarde et on pourra affronter notre ami Buzz après. Confronter le jeune Xehanort après. Donc là, je fais une petite sauvegarde. Et on va pas tarder à affronter le jeune Xehanort. Mais bon... Avant d'affronter totalement le jeune Xehanort, on va quand même faire des petites courses avec notre ami le Mog, voir ce qu'on peut obtenir. Ah oui, les pièces Kubo, je n'en avais pas parlé, et je ne crois pas que j'en avais acheté dans l'épisode 6. C'est ce qui vous permet en fait de vous sauver un moment en fait, si vous mourrez. Si vous mourrez pendant le combat, en fait, la pièce Kubo en fait vous donne une seconde chance. C'est un peu comme si vous jouez par exemple à Resident Evil Dark Side Chronicles, c'est un peu le spray de premier secours qui vous sauve en fait. Donc on va l'acheter vu que j'ai quand même pas mal de menus pour le faire. Oui, sachant qu'on peut avoir qu'une pièce coupeau à chaque fois en fait. Donc par conséquent on va pas trop en abuser. Panacée, je ne pense pas que le boss balance des effets négatifs. Tente, ça ne sert à rien parce qu'on peut l'utiliser que dans le menu. Les éthers, on ne sait jamais. Les potions, on ne sait jamais. Mais sachant que le pire, c'est que quand je fais des trucs... Ah oui. Alors, la carte postale, en fait, que vous envoie le Mog, en fait, c'est des cartes postales que vous pouvez mettre dans la cité du crépuscule dans le but d'obtenir un petit cadeau. Donc ça, je le ferai... Ouais, merci, Donald. Oh, mais laissez-moi parler! Cette carte postale là, on la mettra lorsqu'on reviendra dans la cité du crépuscule, parce que oui, on va y revenir en dehors d'une vidéo bonus. Donc là, par conséquent, nous allons nous diriger vers le couloir obscur dans le simple but d'affronter le jeune Xehanort pour affronter son monstre, le roi des jouets. Donc c'est parti, je vais couper mon micro pour qu'on puisse profiter de la cinématique et on se retrouve à tout de suite les amis. Let's see. Non, je veux entrer dans le couloir obscur, merci. It looked like this? Yep. Here goes. Xehanort! What do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean... we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter.
Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah. You can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. No. Woody, now! Giddy up, partner. We gotta get this wagon train a-moving. Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the heart's joint to yours. Huh? Oh. There! Careful! Whoa! Here goes! Alors ça, cette séquence, elle est épique. Cette cinématique, elle est épique. Entre Woody qui te casse le jeune Xehanort d'une manière mais magnifique, quoi. Mais là, littéralement, le titre de l'épisode, je pourrais le nommer Woody troll le jeune Xehanort. Ça tourne mal parce que il se débrouille tellement bien. Il a tellement bien cassé le jeune Xehanort. Je ne pense qu'il y a eu aucun personnage dans Killer Mouse qui a mieux cassé le jeune Xehanort que... notre ami Woody. Mais en plus, putain, ce qu'il dit, Sora et Woody, c'est très beau, quoi. Le fait que, peu importe la distance où se trouvent Woody et Andy, bah, que leurs cœurs sont toujours liés au sien. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui fait, pour ma part, je peux mal l'expliquer, mais c'est ce qui fait, pour ma part, en fait, pourquoi les jouets deviennent vivants dans le monde de Toy Story. C'est qu'en fait, grâce à l'amour que Andy éprouve à ses jouets, ben c'est comme ça que Woody et Buzz deviennent vivants. C'est grâce au fait que, comme Andy les adore,
Du coup, leur cœur se crée à l'intérieur d'eux et c'est ce qui fait qu'ils sont vivants aujourd'hui. En fait, je comprenais pas trop maintenant que j'y pense pourquoi ils considéraient ça comme canonique dans l'histoire de Toy Story, mais ça peut être un truc canonique dans l'histoire de Toy Story, le fait que c'est l'amour d'un enfant qui donne la vie aux jouets en fait dans ce monde. Mais surtout que ce boss possède la meilleure musique de boss en dehors des membres de l'organisation 13. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je suis tellement d'accord. Et je trouve ça dommage que la musique qu'on va entendre est trop peu utilisée à mon goût. Il est seulement utilisé que pour ce combat-là. Et c'est dommage. Alors, le roi des jouets a la méchante particularité de beaucoup se balader à travers cette ville jouet, qui a la particularité de voir tous ses bâtiments être interagibles. Il faut savoir que quand le roi des jouets attaque, il peut faire tomber pas mal de bâtiments par terre. Donc par conséquent, en fait, il y a très peu de chances en fait qu'on puisse servir de ces bâtiments pour monter sur le roi des jouets. Mais si on parvient à le monter, vous le défoncez avec quelques coups de Keyblade. Sinon, je vous conseille la chose suivante, c'est d'utiliser vos magies. Parce que vos magies vont beaucoup vous aider. Sachant qu'il faut faire très attention parce que le bas du vaisseau, en fait, est protégé par un bouclier. Et là, vu qu'il est sur le dessus, normalement, je devais le toucher, je ne l'ai pas touché. Alors ça fait longtemps que je n'ai plus réaffronté ces boss. On peut se servir de ces vaches pour l'attaquer, pour revenir au. Alors, Donald qui demande le météore, on en profite. Merde, je suis tombé du truc. Alors, également, donner de temps en temps des coups de Keyblade, ça marche. Alors là, j'utilise la commande avec Dingo pour essayer de faire des dégâts. Sachant que plus on va faire des dégâts au sans-cœur, et à un moment, le sans-cœur va transformer le terrain en terrain tout noir investi de ténèbres. Et il va faire une attaque où il va faire une sorte d'attaque tornade pour nous faire plus de dégâts. Quand il fait cette attaque-là, je vous conseille d'utiliser la flow motion pour lui faire des dégâts. Bon là, il nous balance quelques missiles à tête chercheuse, s'il vous plaît, pour nous faire des dégâts. Là, il va me balancer une attaque de rayon laser qui va nous faire tomber dessus. Je vous conseille d'utiliser les outils de détail si vous parvenez à l'avoir. Et je crois que je réussis l'exploit de ne pas le toucher. Pendant que lui détruit complètement la ville parfaitement. Oh putain, voilà, merci. Il y avait ce cochon qui était caché sous un bâtiment, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Ah, je suis tombé et on peut pas atteindre cette partie-là malheureusement. Attention aux missiles. Enfin là c'était pas trop les missiles, c'était plutôt les bombes. Ah, Lily qui propose la turbo-fusée, c'est la meilleure coopération de faire contre ce boss. Parce que vu qu'on utilise la fusée, on peut lui faire des dégâts. Attention qu'il ne faut pas se prendre des dégâts de la part du boss. Ah, il nous propose aussi de grâce. On va pouvoir la balancer sur l'ennemi. Est-ce que H2OX va marcher contre cet ennemi? C'est pas facile de l'avoir avec ça. Non, je ne l'ai pas eu. La privilégie de détail puisque j'ai fait suffisamment d'attaques pour lui faire des dégâts. Ah. Boing. Comme ça, j'atteins ta petite tête. Je vais te défoncer facilement. Ah, je pensais que la magie fonctionnait contre lui. D'avoir un trop gros trou mémoire, mais je savais que son bouclier lui le protégeait. Putain, il m'a foncé dessus cet enfant. Donc là, je vais activer le coup de grâce pour essayer de le toucher. Sachant que j'ai peur qu'il peut passer en mode attaque tornade. Et là, on n'en est pas loin parce que le temps s'est assombri. Quand le temps devient vraiment plus noir, c'est là qu'il va balancer son attaque horrible. Ah merde, la vache! Il a balancé la vache cet enfoiré. Quoique là, il y a un bâtiment qui est nécessaire pour que je puisse monter dessus. Et par terre, c'est bon. Là, si je me débrouille bien, il va crever dans la prochaine tranche. Et ce qui est dommage, c'est que le combat est épique avec la musique qui est épique avec. Mais le boss ne me pose aucune résistance, là. Oh, il va me foncer dessus. Oh, ça s'appuie l'attaque tornade, voilà. Là, il va prendre tous les jouets nécessaires pour essayer de me faire une attaque tornade. Si on peut se rapprocher de lui, bah, je peux faire une attaque comme ça. Utiliser la puissance de ma Keyblade pour lui faire des dégâts avec la concentration. Ah, parfait, j'ai monté sur un fil de construction, donc je peux lui faire des dégâts. Attention, il y a des missiles. Merde.
Merde. Je me bouffe l'ennemi. Donc là, on a pris beaucoup de grâce pour lui faire quelques dégâts. Sachant que quand je ne pourrai plus faire des dégâts sur l'ennemi, c'est qu'il va faire son attaque ultime ou il va faire une énorme tornade sur lui. Bon, là, on part absolument dans tous les sens. Ah, Woody Boss qui nous propose de la turbo fusée. Je ne dis pas non. Go time. Sachant que le pauvre se fait défoncer, quoi. Je me fous mes trucs, ce boss était fou. Donc là, je vais balancer la turbo fusée pour qu'il crève rapidement. Oh, ça va tuer la tornade. Non, même pas, j'ai stoppé l'attaque. Oh, c'est beau. C'est beau, là, ce boss, c'est pas très bien, quoi. Surtout que le jeu nous propose le vaisseau laser. Là, tu vas crever, mon pote. Et c'est bon, c'est terminé. Le boss du monde est fini. Et on va pouvoir terminer le monde de Toy Story. A tout de suite après cette petite cinématique où on va se rendre compte qu'on a un tout petit problème malgré le fait qu'on a battu le sans-cœur du jeune Xehanort. A tout de suite. So Xehanort got away again. Yeah, he's a big chicken. I'm sorry. What? Hmm? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh, no! A shame we'll have to stay a little longer with our new best friends. Well, after all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys... I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, and I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Oh. If we follow our hearts, we'll find them again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! Non, je veux pas que ce monde y se termine, non! Oh, c'est cruel! Eh bon, toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement, et il va falloir dire au revoir au monde de Toy Story. Donc du coup, c'était ça en fait le problème que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est que certes, on a battu le jeune Xehanort, certes on a sauvé Woody, mais le problème, c'est qu'ils sont toujours coincés dans ce monde virtuel. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et vous allez me dire, mais comment ils vont rentrer chez eux du coup? C'est très simple.
Ben, à la fin du jeu, dès qu'on aura battu Xehanort pour de bon. Donc là, on vient d'obtenir la Keyblade Shérif de l'Ouest, qui est une Keyblade complètement pétée, qu'on va s'en servir dans les deux prochains mondes. Ben, exactement comme la Keyblade du monde d'Hercule, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, je vais surtout utiliser les Keyblades qui utilisent majoritairement l'attaque. Et vu que cette Keyblade-là est axée sur l'attaque, ben, par conséquent, ben, on va pouvoir en profiter. Surtout que ceci possède deux formes, le méga marteau et le bras perforant. Je ne sais pas si vous expliquez le truc. Non, il ne l'explique pas. Donc là, je vais attendre que le truc se mette en pause, parce qu'il va passer en mode cinématique, parce qu'il y a encore une petite cinématique dans le coin. Mais il faut savoir que dans... Alors, attendez. Voilà, merci. Faut savoir que que la Keyblade du Shérif de l'Ouest, en fait, possède deux formes. La première forme, en fait, nous permet d'activer, je crois, les... nous permet d'activer une première forme qui ressemble beaucoup à Woody, où c'est plutôt une attaque qui ressemble à un énorme marteau. Et le second, en fait, est un blaster, en fait, qui fait référence à Buzz l'éclair. Donc, c'est une très belle référence ce qu'ils ont fait pour la Keyblade du Shérif de l'Ouest, et que, par conséquent, nous allons beaucoup nous en servir dans les deux prochains mondes. Mais en tout cas, pour nous, cette vidéo est déjà terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 8 de Kingdom Hearts 3. Nous allons terminer cette vidéo par les prochaines cinématiques qui vont suivre. Et on se retrouvera du coup pour le prochain épisode dans le nouveau monde. Sachant que j'ai tout d'abord une petite vidéo bonus à faire sur le monde de Toy Story. Et il faudra que je voie également si pour le mini-jeu avec Rémi, je possède les 4 petits mini-jeux nécessaires de la cuisine de Rémi pour que je puisse vous les montrer dans une vidéo bonus. Si ce n'est pas le cas, ce sera après le prochain monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de Kingdom Hearts 3. On se retrouvera du coup pour la suite des aventures de Sora après cette petite cinématique et dans le prochain épisode. Ciao, bye bye! You had to remind me? Well, Gorge, we just want to help keep you motivated. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. I'll bet you he's got the perfect body all lined up. You've got the gummy phone, Sora. Why don't you try giving him a call? I guess so. Yeah, why not? Oh, hiya, Sora. Your Majesty! Hey, what? Wrong number? No. Riku and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys, but it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? Yeah, to put his heart in. Huh? Replicas. Huh? Well, replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Ienzo. He was in the organization back then, so he might know more. Great. Thanks. Wait. Do you guys think they're after replicas too?
Nope, they definitely said a black box. Who's that? The organization and Maleficent. Aw, it's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. Yes, Your Majesty! Stop that! They don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kyrie and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right.